Salut à tous, alors on se retrouve pour faire la quatrième partie de la campagne de Baiyanong, l'éléphant blanc, c'est parti. À placer une relique dans chaque monastère indiqué par un drapeau avant la fin de la saison. Récupérer la dot de la princesse Tep, Katsatri, battez les nattes, convertissez le prince Ramesuan et le roi, m'écoutez. Amenez les reliques de Bouddha dans chaque ville en témoignage de ma dévotion. Pardon. Nous avons récupéré le butin des bandits, nous utiliserons ce trésor à bon escient et 100 d'or de plus, c'est parti. Alors là, faut faire un petit peu gaffe. Essayez de ne pas perdre de moine surtout. Sinon, ça va être la galère. Et ce qui est chiant, c'est que du coup, si vous voulez soigner vos unités, vous êtes à chaque fois obligé de dire à un moine, hop, tu déposes. Ça, c'est chiant. Alors, je crois que c'est justement un des éléphants ici qui fait partie des rois à convertir. Voilà, et là, faut faire gaffe surtout au Mogono. Donc là, vous avez réussi à l'attirer avec une cavalerie légère. Et alors, à la limite, avec l'autre, vous allez le focus. Et si toi, vous convertissez les deux rois, là, à chaque fois, ça vous transforme tout le village entièrement, ainsi que les unités, donc ça vaut le coup. Ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous évite de perdre des unités. Alors là, plusieurs possibilités, soit vous défoncez la porte entièrement, bon vous perdez pas mal de temps mais il n'y a pas 36 000 moyens, soit vous attendez qu'il y ait une unité au corps à corps ennemi qui ouvre la porte. Ça c'est une autre possibilité, ce qui sera sans doute la plus probable.
Petit éléphant à ma liste. Ah mince, fait exprès, tu fais partie de ceux qui viennent de convertir. Enfin, tu peux soigner un peu au pire. Alors normalement... Éléphant... C'est lui. Ça va être tendu. Et ça monte à 2 à l'heure, hein, Syndec. Il y a déjà 100 ans qui sont passés, ça va vite, hein. Toi, tu peux ramasser... Faites exprès, attends. Juste récupérer le... Voilà. Le roi. Allez. Mais alors? Il me semblait avoir cliqué dessus. Ah voilà, nickel. Toi, tu peux rapporter la relique là-dedans. Du coup, je gagne un moine, ça vaut le coup. Alors, que je vous lise rapido. Le prince Thaï a retrouvé la voie du noble chemin Octulte. Octuple, pardon, bizarre. Ces hommes déposent leurs anses. Un roi juste sait se montrer magnanime dans la victoire. J'autorise les princes conquis à me servir. Donc j'ai gagné... Un petit piquet, un autre piquet, un éléphant baliste et un moine, donc c'est plutôt cool. Donc toi, il y a toi, alors par contre il m'en faut deux moines. Oui, c'est ça qui est chiant. C'est le fait de récupérer à chaque fois que vous soignez quelqu'un, c'est un peu gavant. Alors j'ai récupéré, tac. Et alors lui, vous pouvez le faire récupérer un petit peu dehors. Juste au-dessus. Oh, le rouge a un petit port. Avec lequel vous pouvez commercer, tranquillou. Voilà. Ce qui vous fera un revenu, voilà, de 10 d'or, pas de 10 d'or. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Alors ne perdez surtout pas vos moines parce que ça va vous faire perdre un temps max si vous devez les récupérer en fin de partie. Alors là j'aurais pu récupérer, je suis passé un peu trop loin. Mais bon, honnêtement je m'en suis jamais servi. On va plutôt mettre nos petits héros là bien puissants pour focus les archers. Enfin bon. Il reste au cac, tant mieux. Ah oui, on a d'autres unités. Ils sont mes cavaleries. Juste ici, vous avez des archers. Donc ça vaut le coup. Et en même temps, ils vont récupérer quand même les buffles qu'il y a là. Et on peut améliorer. Donc ça, n'hésitez pas par contre. C'est toujours sympathique. Voilà, pas forcément pour faire des unités, mais pour améliorer ce que vous avez, ça c'est... Ça vaut le coup. Voilà, deux archers en plus. Mince, du coup, j'ai pas... Il manque un moine.
celui qui a posé les reliques. Chut, chut, chut. Je l'ai vu grand comme une maison, ça. Bon, bah du coup, il n'y a pas de moine qui aura pas de relique. Enfin, s'il y en a qu'un seul. Donc c'est ça les fameuses nattes là. Bon, elles sont pas très fortes. Elles ont un peu de vie, c'est tout. Vite, tuez cette natte enchanteresse avant qu'elle n'ensorcelle mes hommes. Neutre, alors vous pouvez le mettre en ennemi. Ah bref, non. On peut rien faire. Tirailleurs là qui font la game. Soignez le moine déjà blessé, s'il vous plaît. Merci. Alors, toi tu remontes. Et le cavalier est juste à côté. J'en suis à 500 ans, ok. Normalement il devrait bien s'en sortir. Voilà. Nouveau péon. Alors attendez, faites gaffe. Parce que vous aviez vu peut-être les deux tigres qu'on avait tout à l'heure. Ils vont focus d'office le péon. Donc ça serait un peu con de le perdre tout de suite. C'est les arambailles qui font mal. Alors là vous avez hop les gardes qui protègent la princesse ou la reine je sais pas quoi. Eux ils sont par contre ils sont malaises hein, faites gaffe. Vous pouvez pas les convertir, c'est des héros. Juste hop rapido. Petite unité de cac. Et le reste pour l'instant c'est bon. Donc je vous conseille bah, peut-être d'envoyer par exemple lui là avec 350 PV. Il pourrait tanker un petit moment. Voilà, vous en prenez un. Vous le tapez, il y a 350 PV, 24 d'attaque, 6 d'armure flèche, 4 au cac. Eux, ils sont vraiment... Voilà. Ils sont même pas obligés, hein. Ils sont même pas obligés de les tuer. Hein. Mais ils sont chauds patates. Hein. Même un éléphant, il se fait défoncer. Bah pour comparer la puissance, ça fait un peu les William Wallace. Ou le Cid au CAC. Ouais. Or pour avoir libéré la princesse. Et je crois que si vous descendez un petit peu, vous avez d'autres unités. Mais des unités pour vous. Enfin, ça fait longtemps que j'ai fait la game. Je peux dire de conneries. Oui, ben c'est ça. Des archers, c'est plutôt cool. Voilà. Donc vous y perdez pas forcément à explorer encore une fois. Les deux de départ et les quêtes que j'ai gagnées. Ouais, j'ai pas perdu. J'ai dû perdre les piquets surtout. Et les cavaleries d'éclairage. Ouais, d'office. Là des moines, j'en ai 1, 2, 3, 4.
contre, j'ai un éléphant avec un PV là. Essayer de le soigner quand même. On avance, on avance. Ah oui. Alors je comprends maintenant. C'est un truc que j'avais pas pensé. Les petits bois là que vous avez ici. On pourrait se demander à quoi ça sert. Mais c'est vrai qu'ils ont ajouté dans l'extension le fait que les éléphants balistes puissent, enfin toutes les balistes en fait, je crois en général, défoncer les arbres. Donc en fait ça vous fait faire un, ça vous fait prendre un putain de raccourci. J'ai pas pensé à ça. Et alors là on pousse la baliste ici, si vous le mettez bien droit, nickel, franchement. Ça fait le taf. Hein. Là vous avez une petite armée quand même ici, faites gaffe. Je crois que vous en gagnez aussi. Vous en gagnez mais après vous en affrontez. Voilà. Des canonniers, des condottières, c'est des bonnes unités. Voilà. Exprès contre beaucoup d'infanterie, c'est normal. On essaie de protéger. Oh, le canonnier, c'est pas dit que... Si, ça va. Reboot K. Ok. Je vous laisse là, pour un petit moment. T'es pas bloqué toi? Non, non, attends. Ah, j'ai peur. Ok. Je vous laisse là, vous vous soignez. Pendant ce temps là, on va remonter ces petits bonhommes. Ils vont arriver là. Qu'est-ce que je peux faire? Tac. Bon du coup c'est la meilleure que les unités que j'avais au départ. Et celle que je ferai après. Mais bon, c'est pas perdu. De toute manière vos ressources ne servent à rien d'autre. Les éléphants sont pas mal. Ouais, les éléphants sont bien. C'est quoi qui bloque là? Et les guerriers sont full life. Alors vous allez commencer à taper pendant qu'on soigne les autres. Allez go. Ah nickel, alors là je peux dire vos deux cavaliers aussi font bien la game, hein. À moins d'être face à un éléphant, normalement ils tueront n'importe quoi. Là on va juste revenir en arrière. Voilà, pour escorter. Oula, 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 oula. Là vos éléphants balistes, ils font bien mal aux arambailles. Parce que les arambailles n'ont pas d'armure. Donc d'office en fait, 8 dégâts perçants là. Nickel. Alors là, vous avez une natte, on va la tuer juste après. C'est juste pour récupérer les unités qu'il y a ici. Allez go. Vous pouvez jouer avec des groupes, hein. Normalement c'est faisable. Voilà, violet mort. Donc là, c'est un soulagement. Tuer cette natte. Voilà. Il y en a deux. Ah, fait mal quand même un petit prince. Hein. Ouais, il gagnerait son duel. Hein. Il fait pas assez mal. Ouais, le tour de résistance peut-être. Non, on a pas de résistance du tout. C'est juste un peu mal. Alors, on va pas aller chercher le jaune en bas.
ici. Parce que là, vous avez deux possibilités, une attaque de vraiment de front. Le problème, c'est que vous prenez un château en pleine gueule. C'est pas super. Ou sinon, vous avez vu, vous avez des poissons. Vous pouvez contourner. Et à ce moment, c'est super simple. Et en plus, vous allez gagner, je crois, des ateliers de siège. Donc vous pourrez faire des béliers. J'ai rien laissé là derrière moi. Mais alors, on va quand même essayer de se débarrasser de reliques là pour avoir vraiment des moines qui soignent. Et pas des porteurs de reliques inutiles là. Et je crois que le roi, il est ici, là, l'autre. Ah oui, par contre, je vais zapper. Et vous pouvez envoyer votre... Ah mais non, le héros, c'est un héros qu'on peut convertir. Je suis con. Hop. Pas de problème. Que des solutions. Ah, il m'a tué un canonnier quand même. Oh, he's not cool. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais pas dû envoyer. Ah, oh, c'est lui. C'est eux que j'aurais dû envoyer. C'est ça que j'avais fait. Non. Pas grave. Bon, tout sont des unités. On en a largement assez. Ouais, là, c'est les moines qui font chier, en fait. Et plutôt que d'affronter les unités, des fois vous pouvez très bien rush jusqu'au monastère. C'est tout à fait faisable. Bon, j'ai perdu une condottière. Allez, petit moine. Oh, chier. Ah, c'est chiant, les tours incendiaires, ça pique. Hein. Ok, on continue dans cette lignée. Toi, tu peux ramasser la tienne. Non, là, faites gaffe. Hein. Vous avez le... Mais... Ah oui, je peux pas faire de... Le til qui a quelques... Voilà. Quelques éléphants. Oh, mais on peut fight, au pire. On a perdu, voilà, les cavaliers. Mais les cavaliers face aux éléphants, ils ont vraiment du mal. Voilà la suite, c'est ce qui me semblait aussi. Souffre mes bonhommes.
Là, entre les deux, je sais pas s'il y a une grosse différence entre les deux chemins. Je peux m'amuser à les convertir, là, les deux. Ils en sont... T'en as combien, toi? Ouais, nickel. Ah, mais ils montent. Ouais, laissez. C'est eux qui viendront à nous. Possibilité de prendre du bois, comme on peut le voir. Bon, on s'en fout de ça. Je sais plus s'il est chaud le camp. Bon, laissez, gardez votre mana. On va en avoir besoin pour lui. Je sais pas s'il n'y a pas un château aussi. Si un château, on back de suite. Ouais, il y a du monde autour. Ah, les moines derrière, mais c'est une idée de génie, ça. Là voilà, vous faites un bon rush. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et limite, vous vous en foutez de tout ce qui est autour. Voilà, vous laissez quelques éléphants juste prendre l'aggro du château. Voilà, vous en laissez un pas très loin. Au cas où il peut pas attaquer au cac. Toi, tu peux cliquer là-dessus si tu veux. On fonce, on est trop skill. On va avoir des morts, mais ça pas d'importance. À part que tout c'est marqué nulle part que... Il faut que je garde toutes mes idées en vie. Allez, vas-y, tu peux y aller. Tac. Je récupère le château. Voilà. Par contre, vous avez que toutes les unités ouais, deviennent... Enfin, pas deviennent pas ennemies, mais du coup ne sont pas converties. Hein. Voilà, à l'inverse de l'autre, quand on pouvait convertir son roi. Ouais, les canonniers, ils seront bien morphés. C'est pas grave. Ok. Ah, attaque pas au cac le... Ah bah oui. Ah, mais il en reste ici. Attendez, on va voir si on peut pas en convertir un tchak. Ah bah il était... Comment ça se fait, le mec il est là-bas depuis tout à l'heure? Il a pas toute sa... Ça c'est chelou ça. Je sais pas s'il y a quelque chose en bas. J'ai une autre guérilla pour faire juste une unité et tester. Ouais, je peux faire des arambeilles, c'est cool. Je crois que j'avais regardé, mais je crois qu'il n'y a rien dans le village. Et alors là, il faut passer par là. J'ai encore 187 ans, ça passe large. Sur la carte. Ah oui, par contre, il faut que je fasse gaffe.
Vous pouvez monter. Toi, tu récupères ta relique. Alors, ouais, y a rien, ça. Si, y avait des tigres, apparemment. Ah oui, bah ça, du coup, ça c'est... Ah bah, y a de l'or. Ça, c'est l'accès rapide pour tuer le jaune et éviter le château, du coup. Vise trop bien, cette idée. Voilà, Sandor. Enfin, c'était pas des bandits, hein, qui... Enfin, peut-être au début, mais après, c'est les tigres qui doivent le garder. Normalement, on a... Ah, on n'a pas de petit passage. Ah, bah mince, je croyais. Et les bateaux, les bateaux, les bateaux. Ah oui, c'est ça. Bateau de transport, c'est pour ça. Parce que du coup, vous embarquez ici, et hop, débarquez là. Ça peut être un moyen. Kill the Night Enchantress quickly before she bewitches the men. Ouais, du coup j'ai défoncé toutes les nattes. Pas très efficace sa technique. Infiltration. Boum. Il se fait piétiner le pauvre moine. Bon là il y en a un autre qui va se transformer. Ah, le roi. Ah, il n'y en a plus aucun qui a le mana, ça me... C'est pourtant si, hein. Peut-être que je voulais juste le tuer, lui. Mais du coup, voilà, quand vous le tuez, ouais, vous récupérez pas. Bizarre. Donc là, vous avez le château qui est juste au-dessus, faites gaffe. Bon, enfin, de toute façon, on est gagné. Hop. Avec 100 ans d'avance, ouais. Mes ennemis s'inclinent devant moi, je suis l'éléphant blanc, héros de la paix et de la bonne fortune. Sur cette terre, je suis le Cavati. Cavati. Voilà, là-bas. Vous avez d'autres buffles ici. Et puis... Ah oui, ah, je suis obligé de passer par là. Il y a un petit compte bûcheron. Voilà, sinon il ne fait le tour. Eh bah écoutez les gars, je vous dis à une prochaine. Salut à tous.